PEGI 12. Recoucou tout le monde, j'espère que ça va toujours. Donc il reste que Diane qui est là. Elle est en train de dormir, donc je peux rien y faire pour ça pour l'instant. Je vais juste vérifier quelques trucs pendant ce temps-là. Donc ses besoins, c'est parfait. On va la laisser se reposer un peu. Donc bien évidemment, elle va avoir faim. Oh non, elle est déjà en train d'accoucher? Ah, c'est trop marrant. Bon bah c'est parti, hein. Ah, c'était du rapide hein, dans cet épisode, hein. En tout cas. Espérons que j'ai un garçon cette fois-ci. Dites-moi que j'ai un garçon. Allez, 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 vas-y, vas-y. Dis-moi que j'ai un garçon. Oh la pauvre, regardez la pauvre, elle est en train de transpirer. Elle en peut plus. Je compatis. C'est quoi? Ah, enfin un garçon, enfin. Comment il va s'appeler? Bah là, ça va être du pif, hein. Alors, dites-moi stop. Attends, je vais encore me taper une petite barre de rire. Ouais. Ouais. Voilà. Je vais l'appeler Sarkozy. En tout cas, t'as pas François, hein. Hollande, non, je rigole, il était là. Bon, on va l'appeler Nicolas, comme ça, au moins, on saurait qu'il deviendra président, hein. D'accord? Plus tard, lui, il aura des meilleures ambitions que les autres, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà mon garçon, enfin, j'en ai un. Où est-ce qu'elle est partie, elle, en fait? Attends, je vais juste vérifier un petit peu ses besoins. Elle a faim, donc tout simplement, je pense que je vais encore faire une grillade. Je préfère encore faire du barbecue, parce que c'est vraiment beaucoup plus nutritif pour eux aussi. Hein. Donc, steak. Ah, je vous dis pas comment mes finances, elles sont en train de faire une petite chute phénoménale. Bah, ah, merci, je pensais pas. Regardez-lui, qu'est-ce qu'il me dit? Je crois que c'est terminé, ça vous fera 120 euros. Il se fout pas de ma gueule. Et c'est comme ça qu'il bosse, lui. Il ferme même pas les fuites, rien. Oh là là, le vieux type, en fait. Il sert à rien. Il sert à rien. Ah, parce que c'est à moi de réparer tout ça. Oh, c'est pas vrai. Oh, les petits malins, en fait, finalement. Donc, elle, c'est bon, elle va bien maintenant. On va essayer de... explorer l'espace. Maintenant, j'ai la possibilité d'explorer. Je veux plus lui faire des enfants pour l'instant. Explorer l'espace. C'est parti. Regardez-moi ça. Et c'est parti. Exploration de l'espace. Ah, c'était radical avec elle. Hein. C'est tout? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'était aussi rapide que ça. Tu vas pas me faire croire que c'était aussi rapide. Un truc, je comprends pas. Pourquoi elle est partie rapidement comme ça? Ah, voilà, SOS, SOS. Ouais, d'accord, appel de détresse. Qu'est-ce qu'elle a fait? Comme bêtise. Donc, sauver le pilote. Trou noir, carrément. Évasion. Rentrer chez soi. Tu m'étonnes, dès que t'es pris par un trou noir, normalement, t'as aucune chance de t'en sortir. Surtout que ça avale même une étoile. Ah là là, donc là c'est bon, tout le monde est rentré à la maison, à part le mari, qui finit un peu plus tard j'ai l'impression. Donc l'école, ce qui est bien, c'est que ça te permet de retrouver tes filles. Est-ce qu'elles vont bien ou pas? Alors maintenant, on va revérifier les besoins rapidement. Énergie, divertissement, bah ça va être simple, hein. Tu vas faire un petit peu l'observation du ciel. Toi, c'est plutôt pas mal, donc qu'est-ce que je peux te faire faire? Musculation, course. Ah, je peux rien leur faire faire. S'entraîner. Toi, qu'est-ce que je peux te faire faire? Faire des expériences. Ouais, parce que les autres trucs, ils peuvent pas tester. Elle, elle a besoin de se laver maintenant parce qu'elle est partie en orbite. Donc la pauvre, elle a stressé un petit peu là-bas. On va prendre un truc tonifiant pour une fois. Voilà. Oh, il a ramené 252 $. Il est parti où, lui? Énergie. Donc, tu vas préparer à manger.
Je vous dis, l'argent va vite descendre, hein. Téléphone, il sonne. Carrément, maintenant il a des amis qui le contactent, hein. Explorer, faire crac-crac avec. Ah oui, d'accord. À l'intérieur? On va se taper, on va rigoler si c'est possible. On va rigoler, je pense pas parce que, en fait, ça m'étonnerait, mais bon, on est à l'abri de rien du tout avec eux. Carrément, il l'a emmené là-bas pour. Ah, regarde comment elle court. Elle est déterminée en fait, hein. Ah, ils vont se faire crac-crac en orbite. J'y crois pas. Et ben voilà, ils sont partis sans moyen en l'air. Ils sont partis sans moyen en l'air. Dommage que t'as pas après un petit coup. Comment vous expliquer ça? Bah en fait, où tu vois la petite scène qui sont partis en orbite en train de faire coucou, loin de la Terre et tout. C'est dommage qu'il n'y a pas tout ça. Mais bon, c'est déjà assez sympa. Oh les petits rigolos. Alors maintenant, comment ça va se passer à votre avis? Ils sont toujours pas revenus, hein? Ah, ils en mettent du temps, hein? En tout cas, on peut dire qu'ils travaillent vraiment sur quelque chose. Donc pour l'instant, on a tous les enfants qui sont restés à la maison. Donc mauvais papa, hein? Eux, ils sont en orbite tranquillement. Oh, les petits rigolos. Ah, ça y est, ils sont revenus. Waouh, ils se sont envoyés au 7e ciel. Eh ben, ça, en tout cas, ça nous fait un titre, hein. Ça s'appelle vraiment un truc très romantique. Heureusement qu'ils sont astronautes. La preuve, c'est qu'il est tellement KO maintenant, lui. J'en peux plus. Alors, qu'est-ce qu'il a comme besoin? Je vais rapidement le faire manger. Prendre une portion. Toilette. Faire pipi comme un champignon? Tu te fous pas de moi, là? C'est quoi cette connerie encore? C'est quoi cette connerie? Attends, on va rigoler un peu. C'est bien. Eh, mais eux, franchement, ils ont pas de. Ils sont pas écolos dans ma maison, hein. Les Sims. Hop, 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 tu vas pas dormir. Tu vas faire tes besoins, comme je t'ai dit. Tu vas prendre ta douche et tu vas manger un truc. Prendre la portion et après, tu pourras dormir. Ok, ça c'est fait. Heureusement en plus qu'ils ont un avantage, c'est qu'il n'y a que du luxe dans la maison. Allez, mange un peu. Elle a récupéré un peu. Ouais, d'accord. Bah, en fait, ça donne. Il a encore faim. Non, mais c'est pas vrai. Bon, maintenant, les filles, je vais vite les surveiller avant qu'il soit trop tard. Elle, elle dort, mais elle a faim. Ouais, elle a faim. Donc, je vais la réveiller. C'est con à dire, mais je vais la réveiller. Elle va prendre une portion. Et après, elle va se recoucher. C'est drôle quand même de réveiller comme ça les enfants, mais bon, on n'a pas le choix. Toi, c'est pareil, tu vas prendre une portion. Tu vas te laver un peu, comme ça tu vas être super bien pour partir à l'école. Super propre, pardon. Donc là, c'est bon. Tu vas arrêter ton piano. Parce que là, tu es en train de réveiller tout le monde. Allez, dormir. Et la dernière. Alors, elle va vraiment mal de tous les côtés, hein. Alors, toilette. Prendre une portion. Et l'hygiène juste après. Prendre un bain. Et dodo. Je pense qu'on a fait le tour de tout le monde. Hein. Pour l'instant, la plus critique, c'est la dernière, hein. Voilà, comme ça tout le monde fait ses trucs. Ça va le récupérer un peu. Elle se lave les mains, donc ça récupère un peu l'hygiène. C'est bien parce que pendant ce temps-là, elle mange et elle va sortir l'autre, c'est bon. Ce qui est bien, c'est que tout s'enchaîne là. C'est pas mal. Voilà. Ah merde, ça coince là, les deux en même temps. Faudrait que je fasse plusieurs salles de bain. Eh bah d'accord. Eh bah d'accord.
La petite, ça y est. Elle a plus d'énergie. Donc la mère réveille ta fille. Elle s'en fout complètement. C'est une drôle de maison quand même, hein. Elle a quoi? Attends, juste faire un tour. Bon, elle a envie de faire pipi. Utiliser. Elle. Ah, ça va trop vite en fait là. J'ai plus en plus de mal à les gérer ces sims. Donc toi, t'as besoin de social. On va parler avec la mère. Ouais, non, tu vas plutôt dormir. Ou plutôt tu vas parler avec ta fille, se plaindre des problèmes, et après tu vas dormir. Bon, la mère, ça va, elle va bien, elle a faim, on va prendre une portion et on va améliorer un petit peu l'espace, comme par hasard je ne peux pas. Oh là là, et ils vont loin quand même, hein. Je dis pas que je dois tout le temps, limite, explorer l'espace sans arrêt en fait. Elles ont encore détruit mon truc. Ça, c'est franchement une hantise pour moi, ce truc. Qu'est-ce qui se passe? Elle a juste faim. Nickel. Bon, allez, explore-moi ça rapidement. Donc, pour l'instant, tout se passe à merveille, à part que j'ai l'impression que j'ai juste un petit problème là d'énergie. Elle fait quoi? Elle dort pas, elle? Ça y est, elle dort. Ah ouais, c'est juste de l'énergie et le social. Ah, et ben, demain, ils vont être fatigués, je vous le dis, hein. J'aurais dû les coucher un peu plus tôt. Il y a juste un truc que je peux dire aussi qui est un petit peu dommage, c'est que pour les filles en question, qu'ils n'ont pas par exemple mis de l'aide à domicile. Admettons que tu veux pas aller à l'école. Et tu peux prendre des cours par correspondance ou t'as un prof qui vient, etc. Sauf que tu le payes en contrepartie, ça aurait été vraiment sympa. Parce que là, c'est un peu trop basique, tu vas à l'école et basta. Non, c'est dommage que t'as pas un cours, un prof qui vient, qui t'explique et avec qui tu peux des fois t'embrouiller, ça aurait été marrant. Mais bon. Améliorer. Non. Elle est pas trop à l'aise en fait. Ok. Pourquoi elle est pas trop à l'aise? Bon, je vais lui trouver quand même un travail maintenant, elle aussi. Tout le monde va travailler comme ça. Trouver un emploi. Donc le bébé il commence limite à s'affoler un peu. Voilà. Maintenant, on n'a pas les mêmes travails. Ouais, je peux pas faire les mêmes en fait. Ah si, astronaute. Bon, bah on va prendre astronaute comme ça. Elle va être bien. Ah, ça commence tout de suite pour elle. Ah, c'est radical comme travail. Coucou, je viens de trouver un travail. Bah oui. Besoin, c'est bon. Ah, elle, c'est la besoin juste de dormir. Allez, furax, hein. On va la laisser se reposer un peu. C'est dur quand même, hein, de pouvoir gérer tout ça, hein. Il n'y a pas de café, dommage que j'ai pas une cafetière. Bah, je crois que j'en ai une en plus. Ah, dommage. Donc le mari se prépare quoi? Ils ont tous faim dans cette maison. Dommage qu'on peut pas juste couper à la fin parce que ça m'arrangerait vraiment beaucoup, je pense. Le bébé qui commence un petit peu à pleurer. Je pense qu'il a réveillé tout le monde. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? C'est pas l'heure de te battre. Nickel. Je vérifie rapidement tout le monde. Bon, c'est bon, ils partent tous au boulot. À part, j'en ai une qui est vraiment. Bah, qui n'a pas d'énergie. Je sais pas si je peux pas la laisser à la maison. Non, dommage. Bon, bah, elle aura des super mauvais résultats. Hein. Je vous le dis d'avance. Hein. En tout cas, dès qu'elle va revenir. Voilà, il y a que Charlotte qui est restée. Ah, on prend le bébé. Ils se foutent pas de ma gueule, ils m'ont coupé le jus. Ils m'ont coupé l'électricité. Tout ça parce que j'ai pas payé. Oh, les ordures. Ah, ils blaguent pas dans ce jeu-là. Hein.
Normalement, il y a quand même un petit besoin. Qu'est-ce qui se passe là? En retard pour l'école. Ok, c'est pas trop grave. Mais elle est où? Ah, elle dort. Ah, des barres de rire. On va vite à l'école. Au revoir. Maintenant, il me reste qui en fait? Bah, elle est pas partie bosser. Bon, on va payer quand même. Ah, je peux même pas payer parce que j'ai même pas de truc. Donc, on va payer par téléphone. Ah, ça rigole pas. Ça y est, ils vont me mettre l'électricité enfin ou pas? C'est radical ce jeu-là. C'est n'importe quoi. Ils m'ont coupé l'électricité. Le pauvre body va devenir clochard à la fin. Je vous dis, hein. On va connaître toutes sortes de situations, hein. Améliorer, je ne peux toujours pas explorer l'espace. Voilà, on est parti. Elle a vu quelque chose. Lui, il est en train de nous nettoyer tout ça. Observer en silence. Je m'en fous, je fais un petit peu toutes les options histoire de voir qu'est-ce qu'il va nous proposer par la suite. Voilà, c'est bon, on a noté une découverte. Ça, c'est quoi ça en fait, ce truc? C'est un simulateur? Ah, c'est la logique, d'accord. Oh, ça pourra toujours servir, vous allez me dire. Fabriquer quoi? On va faire un petit truc, et là on va observer le ciel, et je regarde rapidement. Ouais, c'est bon, je pense, hein. Et je vais vraiment la rendre de très 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 surdouée. Vous allez voir. Comme ça, elle aura obtenu. C'est bientôt l'anniversaire de Nicolas. Il a déjà un an, lui? Waouh. Il a déjà un an. On va rigoler dans ce cas-là, hein. Alors, organiser un événement social. Donc, ça, on va le couper. Pas besoin. Pas besoin. Alors, maintenant, l'événement social, ça va être quoi? Allez, dis-moi, qu'est-ce qu'on va obtenir? Hop, hop, hop. Fête privée, mariage, fête d'anniversaire. Ah ouais, je peux pas faire ce que je veux, hein. Alors, inviter un sim traiteur. Voilà. Voilà, on va inviter les personnes qu'on connaît, hein. Ma sœur. Là, c'est quoi ça? Sims a célébré, c'est Nicolas, mais il est toujours pas né. Il est toujours pas né, le petit Nicolas. Ah, dommage. Bon, tant pis, on va prendre la femme. Artiste. Carrément. Et tu les payes en fonction. Et là, c'est quoi ça? Ouais, tant pis, on va prendre un peu ça. Mais c'est pas elle en fait son anniversaire. Mais dommage que je peux pas prendre le petit. Je comprends pas. Normal, il est toujours pas né en fait. Voilà. Sélectionner le lieu. Inviter les Sims. Ah, tu vois, justement, c'est ça. Ma résidence, elle est tellement belle, regardez. C'est du n'importe quoi. Ah, j'en peux plus. C'est bon. Ça va me coûter quand même pas mal de pognon, hein, tout ça. Je sais pas ce que vous en dites, mais ça va pas rigoler. Donc tout le monde va se mettre au travail. Ah, ils me l'ont tué. Non, non, c'est pas vrai. J'en ai marre. Je répare plus rien dans cette maison. C'est fini. Ça y est, j'ai le traiteur qui vient d'arriver. Le deuxième. On va préparer tout ça. On va mettre en place la petite fête d'anniversaire. Drôle de jour pour fêter un événement, hein, quand même, hein, un petit jeudi. Ah, le téléphone sonne, il est où? Ok. Ah, le directeur appelle, attention, c'est chaud. Il va me reprocher que ma fille, c'est pas trop trop ça. Il faut qu'on raconte des blagues. Carrément, pour le barman, faut ça.
Oh, ils sont morts. Ils sont morts pour l'anniversaire finalement. Regardez-moi ça. Waouh. Elle a vraiment besoin de dormir, hein. Elle a pas d'énergie. Bon, tant pis, je vais la faire dormir quand même. Ah, les deux là, ça rigole pas, hein. Et la troisième, elle va bien? En fait, elles sont toutes les trois mortes, hein. J'ai fait quoi, moi, pour qu'elles soient comme ça, aussi KO? Ah, s'il y en a juste une qui se porte plutôt bien, c'est la plus méchante. Voilà, complimenté. Ça, c'est plutôt sur le père que je veux me manger. Parler de l'école. Elle, comme ça lui fait un petit peu de social. Ah, voilà. On va faire un petit truc, préparer une boisson, tenir les barres, commander une boisson. En plus, c'est moi qui les paye les boissons. Je suis chez moi, c'est avec ma matière première qu'on fait les choses et c'est moi qui dois tout payer. Oh, les petits rigolos. Ils rigolent pas, eux, à ce que je peux voir, hein. Donc ça va être bientôt fait, je pense. Temps restant. Ouais, mais t'es mignon, toi. Souffler les bougies, mais le gâteau n'est toujours pas prêt. Ah, parce que c'est encore à moi de l'acheter. Oh non. De toute façon, je pense qu'il est en train de le préparer, hein. C'est ça que je reproche. C'est dommage qu'il n'y a pas ça, en fait. Vous voyez, le traiteur qui vient au domicile tous les jours et tu puisses manger. Normalement, t'es censé bosser et te faire toi-même ta propre bouffe, hein. Mais bon, là, on va dire quand même qu'ils ont été gâtés par la nature. Ils sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Donc, ça pourrait être sympa de pouvoir avoir ce genre de petit service en plus, quoi, proposé. Ah, ils sont tous foutus dans cette maison, en fait, hein. Oh, ils m'ont tout cassé. C'est qui joue? Ah oui, c'est vrai, j'ai un orchestre et tout. Attention, hein. J'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà, les amis, je vais vous retrouver pour la suite, je pense. D'accord? Et après, on va voir comment ça va se passer l'anniversaire en question. Ok? À tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Ah, le père a ramené un peu d'argent. Ça fait plaisir. Et qu'est-ce qu'il va faire après par la suite? Ah, il est tout heureux. Il a un peu maigri ou quoi? J'ai l'impression qu'il a maigri un peu. Donc voilà, moi, les amis, je vous retrouve tout de suite pour la suite. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout, merci de votre fidélité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si bien sûr vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos qui vont arriver très prochainement sur pas mal de jeux différents. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et j'ai créé aussi un site internet. Ça vous permettra de tout simplement trouver pas mal de choses très intéressantes dessus. Tous les liens sont dans la description, et si vous cherchez aussi des bons plans, c'est également dans la description. À bientôt les amis, prenez soin de vous et à très bientôt.